Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Merci de nous rejoindre sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Ba mama, ba papa, bilingue, bandeko, ba kongomani nyon, sobo, zali éparpillé. À travers le monde, mbote na bino, mbote, bo zali boye bolamu. Namanaka na bino ya pona Congo, ya moko na lilo, na ebi ki boza ebele, kozela pona Congo, bokoma ozela ngo na bandako, bokoma ozela ngo na misala, mbote télévision, ya mounen ebino yon sobozo landa pona Congo. Soki po ozwi, okasyon o landa yango te nanda ku, eza facile, okoki deja, ko landa yango na page Facebook na biso, Congo Buzz Télévision, la bisika to parta. Notre patrimoine commun, le pan abako konenga lobara. Toujours, ezali mboka nabiso nyonso. Boye bola mouli susu na manaka alelo, na basango, publication ba résultat et examen d'état, ezali fixé le 18 août. Prochain, selon communiqué Moko Zaki signé la professeur Tony Mwaba, ministre ya EPST, ba difficulté d'ordre technique et financier, ou Ezalaki, auto et Salemaki na ba différentes étapes, ya opération yango, yango nyonso Ezali surmonté. Voilà, édition Oyo ya 2023, boye ba que publication Kobanda Bongo le 18 août prochain. Et restons à l'EPST au Bissi. Kawapi, il est strictement interdit aux écoles d'imposer l'achat des uniformes et des fournitures scolaires. Ndenge salemaka na ba école nabiso EPST betisete ko boyango. Sauvegarde de bassins forestiers de la planète, la RDC au cœur des enjeux à l'Amazonie. Nous l'avons dit hier que le chef de l'État Félix Tshisekedi Azali Bongo na Brésil, Bisika Pazozo part na sommet sur le bassin de l'Amazonie. Tozui deux postes na Ezali Bongo sommet ango kasi Ezali Bongo mingi na bamboka oyo Ezali na ba forêt amnende tibiso tozali Bongo na bassin di Congo. Alors nous allons revenir na au cours ya ba édition na biso ya journal même ya journée pour na koyebisa bino nini salame kuna nini chef de l'état azui pe bakenda ki na ba délégation munene oyo bazali kuna notamment ministre Mama F. Bazaïba ou Azalipe sur place sur la question il y a environnement paix de Niko Batela Bongo ba forêt Nabiso ba propos naye et Tungi si Bongo pouvoir en place ba propos naye créer polémique lobby eleki na cour de cassation lundi 7 août dernier procès Jean-Marc Kabunde Fongoma Kibisi Kawapi ndeko oyo azali bongo honorable oyo azali depuis plus d'une année na kati ya boloko azongelaki maloba na kotalisaka ke pouvoir en place stopper Félix Tshisekedi le président de la République aza danger mpona mboka na biso alobi mwa makambo ebele ba inégalité oyo ezali bongo ba injustice pe bongo na bongo ndenge mboka ezali kotambola malamu te atalisi ke nyonso ya lobaki ezali bongo osolo kasi na ngambo ya pouvoir en place balobi selon secrétaire général il y a eu de PES, Augustin Kaboya Lobiko, à Zangaki, occasion, il y a Kola qui s'abat preuve sur l'accusation, de Bikazali accusé, notamment la diffamation, Azali
accusé na outrage au chef de l'État, offense na ba institution ya République, pe propagation ya ba fraude. Est-ce que procès en esa politique topé za procès juridique? Parce que depuis un certain temps, ba opposant ce qui ba kangye, ba zon ira toujours même argument que le baki acharnement contre elle, surtout que Azaki est déjà déclaré le la candidat na présidentielle il y a 2023. Au regard des textes, que dit la loi sur cette question, Torozong et Lango, au cours de mission à Bissou Alelo, demande et audit et fichier électoral na syncopé SCC. Est-ce que Bozali pour ou contre Bandeko la Mouka, Bazali ko appuyé Ango, ko senga na saigné ça la audit moko na organisme moko Ezali Bongo international pe reconnu ou Ezali crédible, kasi Bandeko Moussou Bakani Sini Nini, ndesi Bandeko en vol, Bango Bakani Sini Nini, Bandeko Ido Pes, Bango Bakani Sini Nini, parce que Seni Alobi et Kosane Mate, il est impossible, ya Kosala. Audit Moussousou à 5 mois des élections, alors que calendrier est allé respecter. Nous allons tout droit vers les élections. Nous allons en parler, vie sociale, augmentation, topé, instabilité, à taux de change sur le marché. Qu'est-ce qui se passe alors que ma maison n'y a ce homme à qui nous allons en parler au cours de cette émission. Bah, préoccupation, la bine Zalaka, vraiment avoir pris en compte pendant que Nini et Sengel, bah, Kondiambo, Kabasala, pour que Mboka Nabisho et Kendeli Bosope, population, et se retrouve Tolobela Congo, Natongo et l'autre, Zalina Maître Rodrigo Ramazani, porte-parole et en vol, parti cher et honorable Delice Sanga, récemment Bazala Kibongo, na Kananga, mon amour, qui déjà pour rejoindre Bissot, Zoa et Sika, Oyo Lingi, Zala Alès, Mbote, Pébouébola. Mbote, Maman Pila, Mbote, Naba Congolais, Banso Balandara Bissot, et c'est un recoutant en Abango, na Sima Mikolo et Bele, Pambate, na Sali. 10 jours na Kasaï Central, tokenda ki na cadre ya tournée politique nationale et à refondation du Congo, ya candidat président de la République Delice Sanga et Paiwa Pito Bandakango depuis mois de janvier 2013, to sali déjà 7 provinces, Kasaï Central et Zalaki 8e province oyo candidat président de la République Azaka kende kokutana na ba Congolais bipa ibiso bazali na ba chef lieu na ba territoire pour la représenter bango offre politique na bango tikanga na pesa matondi mingi na bana ya Kasaï Central oyo bayambi candidat président de la République na lolenge ya malamu attaque intolérance politique au outina gouvernement provincial ba autorité provinciale ba orchestrer une intolérance en vue de s'attaquer physiquement à la personne de Delice Sanga et bateau nyoso ba accompagnant qui est. Au-delà de tout ça, la population elle-même a yambakié, a pessié matoui, to tamboli na kananga, to longwe kananga, to koti na ba territoire, et nyon soana na pessiba na Kasaï Central, nyon so kubanda na kananga, Bilomba, Kazumba, Ngwema, Luisa, Masuika, Chapula, Bipai, Binso, to le kaki, ba accueil au ba réservé là qui candidat président de la République paie adhésion na bango na projet offre politique ambitieux au ya komema comme on angola refondation du Congo. Mais la dossier on a ba critique et ça qui m'a mingi ya motola mota pesa qui m'a kansinaye ba msusu ba kondana ki deti biso ato kondana ki yango mais même msusu ba lobi keza une manière pour la population ya Kasaï koloba non la délice ça ba lingi le souté ko boya ye clairement yango ba ça ki bongo ba manifesta ki na ndenge ba bamba ki mama. Non, c'était de la manipulation. Population oyo et accompagné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a vu ça déjà dans l'aéroport, interview, journaliste, il y a eu une tension dans la ville, il y a eu une tension dans la ville pour être bien sûr côté. Tant que tu as eu un salon, il y avait un groupe de jeunes gens, Tchakiwana, placé Bango, et puis ce sont des gens bien reconnus des leaders de PES, Kasaï Central notamment, Kananga. Oui, ce sont des gens qu'on connaît, je ne peux pas citer des noms pour faire des publicités ici. Nous les connaissons tous, Yebi Bango, ce sont des militants de l'IDPS, et du reste, les Kanangais eux-mêmes témoignent que les autorités, parce que ce n'est pas la première fois, la Libosos, autorité, la province, ça avec même la déclaration à la radio, pour dire que tant que Bango Baza, autorité, la
Kasaï central, Délice Sangakoui, il y a un discours contraire à la chef de l'État. Or, la population de la Kasaï central, ba fungoli miso, pambate ba promesse nyonso Félix Tshisekedi de Salaki Bango, a réalisé à mon côté. Barrage Katendo à la Kaki, à Salate, route à Kalamambouji, après 2 ans. Il exécution à travaux, écoute plus de. Et puis, il y a l'État, il à peu près plus de 200 millions de dollars. Si le loso qui est à Kalamambo, c'est impraticable. C'est sorte de réalité au peuple qui a vivre. Je crois même que le chef de l'État lui-même, tant que la dernière fois, il y a une population qui est à Malili, il y a une banderole. Et le gouvernement provincial, face à l'incapacité, il y a Félix Tshisekedi qui a réalisé la promesse de la Pesaki peuple. Population a adhéré à la vision et à Sika, au la refondation du Congo, va trouver comme moyen d'expression politique Nabango Ezali qu'au manipuler bah militant Nabango, qu'au pesa Bango mon solo pour que bah saboter. Mais Dieu voulant, tant que le peuple est avec toi, il y a Malonga Ezalite, to komaki na kananga, to kotaki atako bah bambaki mo kondideli se sangali banga et lombe mobali a bravé yango a commis. Il y a mon thé malanga et on a coupé ça dans la Kasaï centrale. Merci. Accompagnement à la bango tisuka. Bazala kiwana. Et même au colo tokené pour rendre visite à la victime. Au bazala ki bazokaki parce que ba militant abiso bazokaki na ba jet de pierre wana. Entre koto et na koto, toki rendre bango visite de manière spontanée. La population est venue. Et c'est la conséquence en fait lorsque vous piquez si population te. Population à Yemoko. Nos militants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Oko imaginez que tout au temps de la Nzela, tout à l'aéroport, barricade Nzela, pelissi moto. La police est là sans réagir, même pas tirer un coup de feu. Tout porte à croire que les instructions étaient claires, qu'il fallait arriver à ce fin, mais le rôle à peuple sera porté au peuple à porter au camp. Vous parlez d'un complot, vous parlez d'une attente, il y a intégrité physique, il y a mon amboka de l'Issanga. Est-ce que Batouana va se porter qui plante? Est-ce que Batouana va Kangama qui? Est-ce que vous identifiez qui va nous? Écoutez, nos avocats va porter qui plante. Je crois Moto Moko parmi Moto Abamba qui Libanga, nos militants ont su tomber dessus. Bakanga qui est, Mema qui est dans la police. Le bateau qu'on continue procédure, mais de toutes les façons, ils ont balayé bosoté même en décembre tout ça là qui même démarche. Aujourd'hui bateau moto au bazala qui na bakanga ki bango, on a appris que le pouvoir provincial avait intervenu pour que libérer bango, et ce sont des choses qui continuent. Malheureusement, c'est intolérance dans une démocratie, c'est inexpliqué. Ce qui bolobi que Délice Sanga Balingi était na Kasaï central, c'est un droit, mais la population s'exprime pour dire non à un candidat n'a bulletin de vote. Non pas en agissant, en utilisant pouvoir Nabino pour pouvoir empêcher tenue d'une activité. Très bien, merci ça, beaucoup. Ça, c'est inexplicable. Alors, il faut qu'on dise qu'un peuple a ça la choix. Nous sommes dans une démocratie. Les Kasaï central, bah, c'est une zone imperméable. Délice Sanga, Koti, Angope, Silite, Torokende, la zone Kasaï Nyonso, Tikapa, Kasaï Oriental, Lomami, Torokende, Kasaï Mobimba, parce que zone Kasaï et quoi appartenir à Motote et aller à Bakongolais. Très bien. Bakongolais, Bakoukemba, Bazapé na Kasaï. Merci beaucoup, Maître Rodrik Ramazani, Norolinga, Likambouarou, Tuane, Simba, Kibiso, tout le monde qui ont les réseaux sociaux, tout partagé, qui ont les Sika Bozoti, Nikamoutou, Kaboué. Baropé, ça a été image, les temps, tous les gens qui ont les Kasaï, parce que Bandoromsou, Bazaï, Kuana, Basali, moi, analyse, Peko, la Kisaka, Barout, Tongami, Penza, Tendenge, Sengelake, Tungamawana, Rezali, bon interpellation, Nangamba, Bakoukemba. Ndiamboka tozali na maître Richard Pinda ndekwaye de Pes azali na biso mola mboka mbote pe boye bola ndekwaye de Pes on croirait que exactement et puis lissousou président de plateforme Diabiso Mpinda et puis Baxi Lissousou candidat député national na Moamba pour la compte à mosaïque à U de Pes puis mi sabe lo nyonso na quand même na ngona opposite. C'est noté maître, merci beaucoup. Nazali na moi bo observation ya kosala na population na biso na ligi moni mingi ba kanza makam to mona na Niger total elango na musika e bongi total elango na misu moko ya pembeni ba to ba retenir eloko moko indépendance ya Afrique ndesiko ezozoma pona nina lo biango lorsque la France dit par exemple que azoya ko aider biso est-ce que to za réellement na posa Edouard
pour depuis la nuit des temps, depuis l'accession à Abisso, l'indépendance, à Mamboka, à Abisso, Balobaka aide, mais aide dans tout le monde en haut, il aurait salé raté. Et pourtant, tant que Bayaka va imposer à Abisso, va prier et s'engager tout son balan, va matière première à Abisso, et puis va exiger à Abisso d'être capable de tout souffler. Aujourd'hui, je me rends compte que l'Afrique est en train de prendre conscience, surtout jeunesse autozali na yango. Pourquoi je voudrais interpeller les Congolais ici? Total et la bilo kwana na musikate. Pour bitumba ya biso pe ya makasi zoya. C'est-à-dire que tout chef d'État ou azo privilégié ko salela intérêt supérieur ya population na ye. Tout chef d'État qui veut vendre une image positive ya mboka na ye doit être combattu. Vous vous souviendrez de comment est mort Patrice Emery Lumumba, parce qu'il avait levé l'option « Ya Congo doit passer avant toute chose ». Tout celui qui est nationaliste pour l'Occident. Quand j'ai dit Occident, j'ai fait allusion à la Grande-Bretagne. Quand j'ai dit Occident, j'ai fait allusion à USA, États-Unis, France, Belgique et consorts. Les Occidentaux ne veulent pas voir les pays africains se développer. Il y a aussi une conscience où le Congo, pas africain, pas panafricaniste, n'est pas bisoubo, tozozoa, pour voir que non, le Congo et l'Afrique doivent se développer, il faut pas éliminer Kabatu. J'ai lu Mélenchon. Mélenchon Azali, un des anciens candidats à présidentiel la France. À l'obi boye, à l'obi pendant que Russie a zomé la biso, ma proposition est à sécurité. Pendant que la Chine Azo me met la biso africain, proposition, il y a partenariat, il y a, comment on appelle ça déjà, de l'industrialisation en Afrique parce qu'ils ont la technologie et puis atteindre moins niveau. Sotali niveau, il y a un brevet, on va déposer pour n'avoir protégé et l'équipe va payer l'Union sur le monde. L'Occident nous amène l'homosexualité. Est-ce que c'est l'homosexualité qui va assurer le développement de notre pays? Je ne pense pas. Vous voyez ça? Et donc, je pense que nous devons faire le bon choix. Le bon choix où Ezali, comment dire, où Ezali porte, où il peut permettre que toi assurer réellement le développement na biso. Je voudrais en revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure ici. Namoni, Batoualeke, Bele, Mdekonanga, Lobby, ils sont allés, ils ont fait les pleins, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire parce que le Kasaï appartient à tout Congolais, le Kasaï central, chez moi, appartiendrait à tout Congolais. Je suis d'accord sur le principe. Mais à Lobby, Lokomoué, Amotouya. À l'objet d'expression et à population, Ezali Mabango Wabé Tabatouté. Expression et association. Merci beaucoup. C'est pour dire tout simplement que nous attendons les meilleurs dans les urnes. Et le président Tshisekedi va présenter un bilan plus que positif. Au lobby Makamoua, on a dit là, il y a des gens qui sont là, mais quelque part, on doit reconnaître quand même que nous avons sa limite. Mais vous avez dit que ce qui est bon, qui est là. Ceux qui ont reconnaître que Esengeli basala yango ndenge basaleli yango te même ata mosolo ndenge lobi bongo epi sabiso boye kilometre moko ezali boye ezali ku oyo pri ona yango basali boye ndenge Esengeli ki basala te pombongo boye emonani te. Vous pouvez nous donner ça? Wana fanda calme. Oh mutuna wana comme un système ya mutuna za ya ngai ya mesa ya bino. Alors c'est pour dire tout simplement, non je suis d'accord sur un principe. Je suis d'accord sur un principe. C'est la réalité. Je suis d'accord sur un principe, c'est-à-dire que j'attaque même le gouverneur du Kasaï central, ok? Pourquoi? Parce que j'ai appris quand le chef devait arriver là-bas, Ndazo qui va tracter, va bimisi, va tiens Nzela. C'est-à-dire que je condamne les pratiques du gouverneur de la province du Kasaï central, ok? Mais cependant, la volonté politique du chef de l'État est là. Et je demande même ceux qui gouverneurs à Ndazo continuer, à Ndazo continuer, à on les pète. Pour Moutaza éternel, personne les athées. Vous avez pour comme gouverneur, ainsi de suite. Un autre élément, un tout dernier élément, aussi important. Totika Kindoki. Un malamouté. Totika Kindoki. Bissoua politicien, Totika Kindoki. Lorsque Deli Sesanga, maître Deli Sesanga, Abimi, a sali manifestation, a tout ça, a ébissoté Galobi que non, ils l'ont fait librement. C'est-à-dire qu'ils ont été autorisés à manifester. Ou si vous voulez, on a un régime d'autorisation. Non, régime d'information. Informer, accompagner. Il y a des policiers, des équipes, des gens qui peuvent accompagner. Mais c'est ça la liberté. C'est-à-dire que restriction, les gouverneurs, en fait, que la politique du Congo, la dictature qui s'installe, ainsi de suite, tout ça, abîmé à Kéi. Et puis les sous le sous sont importants. À l'obi, Deli Sesanga a sali offre politique naï. Offre politique n'a pas été pour la refondation de l'État. Alors, on a dit que tu n'as pas été. Tu n'as pas été.
La refondation du Congo. La refondation de l'État. Du Congo. Du Congo. Oui, l'État congolais, ça va de soi. Refondation et l'État congolais. Bandego Nangai offre politique on a basé l'ango pendant la campagne. C'est-à-dire qu'à celle pré-campagne, à celle campagne prématurée. Aux Hollandais. Et donc, à ce moment-là, vous ne dites pas ou que vous ne direz pas les alliés acharnement contre les politiciens, si seulement si, Balongoli, candidature n'est. Parce que nous ne sommes pas encore pendant cette période-là. Aux Hollandais. Je serai candidat. Je n'ai pas dit que je suis candidat. Ok? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je sais que les normes de la République n'ont pas encore dit que c'est le moment d'aller en campagne. C'est-à-dire que l'opinion retiendra que M. Déli Sessanga, l'honorable Déli Sessanga, maître Déli Sessanga, a autosala pré-campagne, une campagne prématurée. C'est-à-dire que cette pré-campagne prématurée, c'est en violation des normes qui sont établies. Parce qu'il faut attendre le moment de la campagne pour faire son offre, mais pour faire sa proposition. Intolérance au Simbi Amote. Intolérance à non, mais écoutez, je condamne. Au cas où on a condamné, je condamne cette pratique-là. Je condamne ceux qui ont lancé des pierres à M. Déli Sessanga. Je condamne cette violence qui a été exercée par un groupe d'individus. Ils pouvaient s'exprimer pour dire non à Déli Sessanga autrement, par des pancartes par exemple, que vous n'êtes pas le bienvenu, vous ne pouvez pas être ici, ainsi de suite, vous pouvez le faire. Mais lancer des pierres, moi je pense que ceux qui battent en abaza même identifié, ok? Parce qu'il a prétendu dire une chose ici. Si ces gens-là sont identifiés, je souhaiterais à ce que Bakenena est devant le cours des tribunaux. Mais à l'objet, l'on m'a dit, Nazo chute kakawana. Il a dit que ces personnes sont identifiées. Que Bazali Batouya UDPS. Ok? Ngaï na ebisi ebo. Je prends l'opinion à témoin. Je suis avocat. Ok? Deux possibilités. Ceux qui vont identifier Bango nommément. Et qui balobi batouana babouki mobeko. Ils me prennent comme avocat. J'irai contre les militants et UDPS qui se sont comportés de la sorte. Pourquoi je le dis? Parce que. Dans le bac, il y a Bototika Kindoki. C'est tout simplement parce qu'il est dans la manipulation de l'opinion. Et Zala Kiaboué, Baboui, pour des raisons bien spécifiques, sécuritaires, à Moïse Katumbi d'atteindre le bas Congo, le Congo central, au nom, Bazo empêché, Ba opposant, Basala Moussala Nabango. Mais le col accueilli, a manifesté, contrainte des athées. Il faut maintenant chercher des boucs émissaires pour donner l'impression que les militants de l'UDPS n'ont que ça. Non, pas du tout. Nous, les militants de l'UDPS, nous n'avons pas que ça. Nous avons présentement ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'aussi ça n'a pas de candidature dans les cités, parce qu'il faut encore les provinciaux qu'il faut déposer la candidature dans Bango. Deuxièmement, nous devons maintenant, dans nos QG, il y a un parti Nabisso, ou Union Sotozana, il y a Union Sacrée, ainsi de suite, tout ça. Nous avons préparé comment nous allons présenter les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'opinion pour appeler un autre mandat. Parce que nous considérons que le président Tshisekedi est le meilleur de tous les présidents qui ont été là et qu'on fera en sorte qu'au moment opportun, et avec des arguments extrêmement convaincants, nous serons à même de pouvoir merci beaucoup, maître Richard vendre Pinda. Notre candidat. Merci beaucoup. La technique, au son abuso na ba image, ya nzela weza ki akobe ba kalamba bouchi. Moi l'amboka ndeko aujourd'hui sungabiso na ba élément wana sungabiso na ba image wana alors que toujours continue l'émission sungabiso to mona pena ndenge ndela wana eza mabe makasi en prison depuis plus d'une année une instruction ya dossier kabundo efungama ki lundi 7 août dernier na koya na ye na cour de cassation lors ya kosamba na ye. Moi, je suis Jean-Marc Kabunda, je suis un peu plus de temps, 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 Jean-Marc Kabunda a rassuré que le procès n'est juridique, mais un procès politique. Et les manières de dire que c'est un procès politique, est-ce que c'est normal de poursuivre et de fait politique dans le lobby, pas tel ici que nous sommes dans le lobby, et si l'Obama n'a pas de poursuivre pour nous, à tel ici, nous avons Kabila, à tel ici, nous avons Mobutu,
lelo oyazo dénoncer ezalaka toujours bongo maloba mboka yo opesa biso ba element avant na makambo ya Jean-Marc Abound nazongela deux faits ndeko pinda alobi délice sanga étant Délice Sanga azalaki autorisé yon a partenaire pour manifester. Comment aucun expliquer makambo toza na kati ya ville. Balobi essengeli ko informer autorité compétente. Ceux qui besoin na ville, na kanisi na ba province, na ville, motoali, motoazali compétente, ou ezali entré na Luisa, ou eza kalambambujite, ou eza entré à Luisa, ba image à kalambambujite na roti kilo ango peut-être, parce que bise yon na ba tinde la yo, ba élément ya Luisa. Est-ce que na ville, ceux qui besoin na ville, autorité compétente, yako recevoir information, ezali maire de la ville. Maire de la ville, il y a Kananga Bakomeli et Mukanda Basiziri, deux semaines avant, arrivé à Délice Sanga. Maire de la ville, Azu Mukanda, parce que c'est elle qui est compétente, mais l'autorité compétente. Azu Mukanda, le biété, Yé Mukanda, on a moya yanola, tel le rôle des Délice Sanga. Et Sengeli Yamboya yanola, batsa en application, gouverneur, la ministre intérieure provinciale, les Kambote. Tiens, en application, gouverneur, un ministre de l'Intérieur provincial. Nous parlons d'une autorité compétente. Mokande Koti. Mokanda Kokote Koti a lobi. Ah ouais, comme quoi qu'on soit, parce que gouverneur a Bengingai et Sengil Bokene Komon, un ministre de l'Intérieur. Qui en soi n'est pas compétente et tant qu'autorité, Namakambo, Yako soit acte pour information. Ton avis sur la qui n'est pas ministre intérieur. Ministre intérieur, le biso t'a recours pour autoriser meeting à Délice Sanga parce qu'il a critiqué chef de l'État. Je rappelle qu'en décembre 2022, na radio Louloubourg, Tangou, Touzouaki, Nini, menace à l'Iboso et au gouvernement provincial ou à instrumentaliser qui ancien milicien comme on a sap pour que bas s'attaquer personnellement à Délice Sanga ou à qui ça là, opération Maïmoyo à Bantou, l'eau pour tous. À ça qui va forage dans la commune Nyon Soya Kananga. Le même gouvernement provincial, trois ministres provinciaux à l'époque, je parle encore de décembre 2022, ministre de la Bangwa Intérieur, ministre de la Bangwa Justice, la ministre de la Bangwa Infrastructure, Baloba qui Boyena Radio, Louloubourg FM, Kanange, je parle de fait. Balobi, tant que Bango Bakosa la gouvernement provincial, Bakoki qui autorisait Délice Sanga a un discours aux actes défier chef de l'État. Comme si le Kassai central appartenait à Tshisekedi. Faux. Et ce qui a été réitéré, parce que ma propos est même dans le Top Congo. Top Congo est bien gagné pour se rendre compte de la situation. Le ministre de l'Intérieur a confirmé qu'il va proposer. Non, on ne peut pas accepter que ce Sanga vienne ici pour défier le chef de l'État. Je ne parle pas de la population, je parle des autorités provinciales. Mais un ministre incompétent qui ne peut pas traiter de la question de l'information, il y a qu'aux actes, il y a organisation, manifestation publique, a ici en vol, qui est beaucoup qui peut tenir meeting Nabino Awate. Donc, qui peut autoriser ces sangataires pour défier chef de l'État. Parce que Maître Pindalobi qui va autoriser Kibiso. Donc, est-ce qu'on va autoriser une autre? Ministre provincial à Ebisi Bissobongo. Tu n'es pas maire de la ville, tu es ici, mais c'est vous qui êtes compétente. Vous devez prendre acte. Dans le cas contraire, nous, on vous a informé. Ministre maire de la ville, le rôle du ministre intérieur, le biboué, bino bolobi borosala, bosala ou mouté manabino elingi. Aboy koyanola la moukanda, le bosala ou mouté manabino elingi. Nous sommes dans une démocratie, nous respectons l'article 26 de la Constitution. En quittant l'aéroport de Ndolo à 11h, nous recevons des informations venant du terrain, comme quoi, bah, militants, la bus, c'est ce qu'il y a tout ça, la meeting, bah, dispersé, bah, élément à force de l'ordre. Mais c'est ça, moi, ça, meeting, na kanangate. Et qu'est-ce que c'est, bah, c'est ça, na koki koko ta kanangate. Ba barricade nzela, bah, pelisi, bah, pneu moto, et kani nzela, bah, là, on a parti au pouvoir. Batouba n'a pouvoir. Bapeli si moto n'a nzela pour opposer kota te. Comment vous avez identifié que moto azab? Mais je te dis ici, moi ça fait 7 ou 10 fois que je fais Kananga. J'ai identifié des gens qui sont des leaders PES.
Je te l'ai dit et je le répète. Et les Kanangais qui me regardent le savent. Non, autant à Bakombo, mais je ne fais pas la promotion des médiocres, des personnes sans valeur. J'en parlerai pas pour citer leur nom. Tokomi, Toye, ils ont placé quelques individus pour saboter. Mais nous sommes entrés à Kananga. Ma plus grande joie, c'est cet accueil chaleureux. Au-delà de toute cette manipulation, au-delà de toute cette de tout ce que oh bah tchaki nanzela pour que to kota Kananga te accueille la population à Kananga. Parce que Delice Sanga a démontré qu'il était brave, qu'il pouvait braver cette histoire. Nous sommes entrés à Kananga, on est resté 10 jours à Kananga. Au-delà de la menace Nabango. Et nous avons démontré que Kasaï Central n'était pas une zone imperméable et non aussi une zone acquise à quelqu'un. Très bien. N'est-ce pas? Wana et Ali, parenthèse, Ali Bosso, Emibala, Lobi, Kedeli, Sanga Bandi, campagne. Non. Campagne électorale, les a fait appel au vote. En réalité, ce qu'il faut, le Bamuto, à Salaki, campagne électorale, les a Félix Tshisekedi et Mbujimayi. Parce que Félix Tshisekedi a dit, je suis candidat. Bon, votez Ngaï. Il a dit ça à Mbujimayi. Il a dit ça en Mbujimayi, je crois, en 2021. Il s'est déclaré candidat à sa propre succession. Père Sengi, Bandekone, Bamachabou, mais nous, votez. Ça, il a dit publiquement. Pendant la tournée Naïwana, il n'a fait que dire ça. La personne qui a fait appel au vote, c'est Félix Tshisekedi, pas Delice Sanga. Delice Sanga rencontre le Congolais pour leur présenter son projet. Il ne dit pas, votez-moi, j'ai un projet. Voici ce que je compte faire. La campagne électorale fait appel au vote, au plus grand nombre de votes. Delice Sanga n'a pas fait appel au vote. La personne qui avait fait appel au vote en 2021, je parle de fait, lors de sa tournée à Kasaï, c'est Félix Tshisekedi. Très bien. Donc s'il y a quelqu'un à condamner Maître Mpinda, condamné Félix Tshisekedi, oh yo, a violé la loi électorale à cette époque-là. Bon, comme peut-être il y a le président de la République, il a le droit de violer la Constitution, la loi électorale, la loi sur la CENI. Toutes les lois de la République, lui, peuvent violer. Mais nous sommes respectueux du texte, nous sommes respectueux du jeu. Tous ceux qui connaissent la culture électorale, tout candidat qui a un projet part vers le peuple pour présenter son projet. Et au moment de la campagne, il vient pour parler de vote, faire appel au vote. En 2 minutes, ma question, Molamboka. Dossier Kabound. Bon, oui, mais Jean-Marc Kabound, il y a Liboso. Pour moi, Jean-Marc Kabound, il a trouvé des pneus de Congolais, il a utilisé la justice comme il voulait, il a fait arrêter des gens comme il voulait. Moi, vraiment, je n'ai pas trop d'empathie sur cette affaire, sincèrement. Mais au-delà de lui, il y a une situation de droit. Il y a une situation dans la conduite de la chose publique. Je ne partage pas les postures de Kabound. Surtout au moment où il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais Lélo, il y a une décision de justice. Parce que lui, est-ce qu'il a procès politique? Décision et justice, il y a cour de cassation. Ezako a signé à résidence surveillée. Monsieur Kabound ne se retrouve pas à résidence surveillée, il se retrouve dans le lieu, il y a détention, dans la prison, il y a Makala. Je me pose la question. Pourquoi une décision de justice n'est pas exécutée? Parce que c'est quand même une décision de justice qui assigne M. Kabound à résidence surveillée. Parce que c'est conformément à la loi, parce qu'un député national ne peut pas être en détention en prison. Détention Naye et Sengeli et Salema en résidence surveillée. Telle veut la loi sur la cour de cassation. Pourquoi M. Kabound, après la décision, il y a cour de cassation, se retrouve toujours à la prison centrale de Makala après plusieurs mois? Est-ce que c'est une procédure spécifique? Violation Mibeko? Évidemment que oui. Si ce n'est pas une décision spécifique, donc il y a quelqu'un qui veut rendre de compte à Nandeko Kabound. Motowa Nande a impliqué la justice, et si Bangobo tikaye na Makala, Nanko. Parce que justice est comme à Bango. Mais au-delà de ça, Ndeko Kabound est quand même premier vice-président et Assemblée nationale. Il a fait de graves révélations sur des blanchiments de capitaux. Il a fait de graves révélations sur détournement de fonds publics.
Il a fait de graves révélations comme quoi l'IDPS avait, parce que c'était lui le président de l'IDPS, que l'IDPS avait déjà 300 députés préétablis. Donc il préparait une fraude massive. Ça, c'est l'ancien président de l'IDPS qui l'a dit. Sans pourtant coup pour vin. Je dis ceci, il le déclare déjà. En lieu et place, il y a Rokenenan Kolande pour offense au chef de l'État. Je crois qu'il a raison. Une justice indépendante, un parquet, au hasard, ça c'est que protéger l'ordre public, que protéger l'intérêt à l'État, à Robin Andeko Kabunda, il y a un parquet, expliquez Bissot. Mais les parquets en lien place de chercher à poursuivre si réellement il y a détournement, il y a blanchiment de capitaux, à préférer nanouba poursuivre, y'a ba kangaye po tika koloba. Ba tiaye na prison parce qu'il y a lobby que bato. Y'a Félix Tshisekedi na na bande konaye ba ko salabo, ba ko salabo. Mais même liboso ba juge azo ko ba koloba, ou mais ma ba preuve y'a ba allégation. Mais ba juge ba memie liboso wana ba memie po nanini. Ba memie pour offense au chef de l'État. Les infractions te? Et ali infraction. Je suis na bande li ngai nazali. Adepte à ordre, à discipline. Okay. Un citoyen qui commet une infraction doit être poursuivi pour que l'ordre public soit rétabli. Ça, c'est ma posture, ça ne changera pas. Aux opposants, aux anciens premiers ministres, aux anciens vice-présidents de l'Assemblée nationale, aux présidents de la République. Si l'ordre public est perturbé, l'Ikolo na yo et Sengeli Olandama. Mais Sengeli pe Salema na botosi mi beko. Botosi ba droit pe liberté na yo. Ndeko Kabund na question na yo na koloba ete ali victime d'un procès politique. C'est là où je suis inquiet. Inquiétude na ngezo utawapi. Boni boni à chaque fois moto komi contre-pouvoir. Ya ba ko liaye pete. Ba mba ba ba liaki. Ba liaye pete. Mais Kabund va balandé pour offense au chef de l'État. Mais bato on se balandé pour atteinte à la sûreté de l'État. Bali wapi. Bali bato pouvoir. Bali wapi. Natanga Kombo, François Béali wapi. Balanda qui est pour atteinte à la sûreté publique. Instruction à dossier na ezoko balelo kutu. Azali wapi. Question. Libanda mbo azozo basin. Kabund aza wapi. Offense au chef de l'État. Naba ki ça. Fortuna Buselele. Azali Wapi. Atteinte à la sûreté de l'État. Nous sommes dans un pays où tu perds un chef de l'État, Baboumaï Nabukondi. Donc c'est une question très sensible pour notre pays, quand même. Et c'est sensible, question. Hein. Sûreté à l'État, moi, qu'ils ont déstabilisé dans l'Est. Sûreté de l'État. J'ai dit ça. Nani, Bisselele Azali Wapi. Très bien. Merci. C'est le Azali na liberté provisoire. Mais Kabund, Barnabé Bilinganyo, laisse Omelo ngaya en vol. Balandie Bakolande pour diffamation. Laisse Omelo ngaya en vol. Responsable de la cellule de la communication en vol. Bakolande pour diffamation à Denise Nyakero. Parce que Asalak a retutaki. Il fait plus de 100 jours aujourd'hui à Makala. Comme si ba fait ouana, ba diffamation, outrage au chef de l'État, ils ont plus grave dans notre pays que ba fait y a atteinte à la sûreté de l'État. Merci beaucoup, maître. Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, ba Salomon Escadela, ba Linso Melonga, ba Mike Mukebaye, ba Barnabé Milinganyo, ba Jean-Marc Kabund, ba Ali victime y a ba opinion na bango. Alors que Bato Bazali penda poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Bazali n'a pas liberté provisoire. Très bien, merci beaucoup. Même pas citoyen, Bazali liberté provisoire. Kakapo Bazali. Merci beaucoup, Ndeko. Donc, procès en conclusion, Ezali effectivement un procès politique. Merci beaucoup, Ndeko. Rodrigue Karamazani, mes chefs de l'État, par le bac qui est justice, Penza, et Zongina Noumala, Madame Mutazo Bunda, Ponayango, Mwanamboka, Richard Pinda, même ton d'antenne qu'Ndeko, Rodrigue Karamazani. Azali accusé la diffamation, offense dans l'institution, outrage dans le chef de l'État, et propagation et fraude. Est-ce un procès politique ou juridique na lumière y a ba texte posa moi mobiko maloba mbokayo alors nalandine de ko Ramazani porte-parole en vol abimisi et ressenti au yazanango na ministre intérieur ya Kasai ministre intérieur ya Kasai azana gestion ya Kasai central au moni centre ya institution na Kasai central chez moi c'est à Kananga. OK.
ancien Loulouabourg. C'est-à-dire que quand les anakina, c'est en bas au pour nous avoir la mère il y a Gombété, est-ce que vous avez ensemble tout le gouverneur pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est dans cette même logique-là que les institutions fonctionnent. Et il dit ici, tantôt ce sont les autorités, mais il ne revient que sur un seul ministre. Si les ministres de l'Intérieur atténuent ces propos-là, ok, ça ce n'est pas la philosophie de l'UDPS. C'est-à-dire que je condamnerai ces propos, dont je n'ai pas la certitude. Et cela n'engage que lui. Mais cependant, à l'obéissance, tout ça, qu'à un moment donné, les policiers étaient à côté et ils ne réagissaient pas. Mais les policiers étaient là pourquoi? N'est-ce pas pour les accompagner? Et il a dit ici que Nababilo Koya Banzela n'a pas écouté dans mon nom, mais n'a moni seulement que Délice et Sanga, dans mon tout cas, après ça va tomber. Moi j'en déduis, à la lumière des images que vous avez suivies tous ensemble, que nous avons tous suivies ensemble ici, c'est que Délice et Sanga a fait ses activités et librement. C'est ça l'image que j'ai. Ça c'est d'abord. Hein. Une autre image est circulée qui est à Libanga. A dit que non, à Kananga ils n'ont pas manifesté. Mais nous avons vu à Kananga, la bêtise d'Élise, c'est ça, à Libanda, Libanga, à Zayana Katamutu, à Kotiku. C'est pour dire aussi que non, ils ont manifesté à Kananga. Je comprends. À lui, ils achè, ils allient village Oyaye, ici, à Outelaki. En même temps, ils en parlent pour dire que non, il a été reçu. C'est aussi normal. Mais lorsque de l'autre côté, on a refusé de le recevoir, bah, bien, non, le gouverneur a fait ceci, il a interdit, le ministre de l'Intérieur derrière, il est passé pour dire qu'on ne devait pas. Nous, l'UDPS, nous aimons la contradiction. Venez nous contredire sur des faits. Ne faites pas comme Jean-Marc Abound, qui fait des déclarations, mais il a l'occasion de pouvoir Kola Kisengo. Nga et Salanga Passi, quand je suis en face d'un aussi jeune avocat, aussi de notoriété publique, le Kola Ndekonangai Rodrigue Ramazani, lorsqu'il dit des choses qui me font mal, par exemple, il dit, je cite, que Olieba poursuivre Jean-Marc Abound pour Alakisabatou et si Kanini blanchissement des capitaux et Salemaki. Ok? Oleba poursuivre Jean-Marc Abound pour Alakisabatou. Bah, Milo Konyo se va préparer à qui 400, 300 députés, comme il l'a dit. On le poursuit pour autre chose. Ah non. Quand on est en matière et à procédure pénale, le ministère public agissaka, comme on appelle, à charge et à décharge. Et l'ingi koloba poni. Ministère public, le roi la dans la recherche à l'infraction, ce que le a fait à Bendio. A lobi, mais au lobi boy, est-ce que tu comment on appelle boy? Ce qui est à poursuite contre eux, ça peut aussi changer au même moment. Ce qui voudrait dire que Jean-Marc Abound, pendant cette une année, vous avez fait allusion ici, il a eu suffisamment le temps. Ok? Il y a quoi là qui s'abat, il y a preuve naïe. Ce qui nous en sommes arrivés au point bas, mais devant juge naïe, c'est que le ministère public, Atali, à mon dit, preuve contraire, tu es au déchargé. Et lorsque ça vient d'un avocat, on a comme s'il y avait un temps, où il va poursuivre Jean-Marc Abound pour n'avoir fait à l'obaki, il y a encore un autre temps qu'il faudrait créer pour, ainsi de suite, poursuivre pour une autre cause. Non, pas du tout. C'est au même moment que l'action est enclenchée. Tu sais qui fait mal. La séparation dans l'obaboué, il prend le temps de vérifier dans son téléphone sur Google. Ça, j'aime bien. Parce qu'il veut avoir la certitude de ce que j'ai dit, et ce qui est une très bonne chose. Je me réjouis de ça. Et donc, c'est pendant ces mêmes temps ici que l'on peut charger et décharger. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Je vous ai dit, Kindo Kinabiso, un politicien, Zali, c'est la manipulation de l'opinion. Lorsqu'il vous dit, il ne s'accroche qu'à l'outrage au chef de l'État. Et pourtant, vous avez cité quatre infractions. Il est poursuivi pour imputation dommageable, il est poursuivi pour outrage au chef de l'État et aux institutions, et il est aussi poursuivi pour propagation de faux-bruits. Bande Konanga Bakongomani, ces infractions ont-ils été créées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pas du tout. Ces infractions ont existé depuis la loi pénale, le code pénal de 1940. Ça existe. Les décrets qui s'en sont suivis pour, en termes de loi additionnelle, existent aussi. Aussi longtemps que le président Tshisekedi na législature naïe, aussi longtemps que Délice et Sanga a été incapable de faire une proposition qu'on dépénalisait Yango, ok, ces lois sont d'application. En tant que député, tout ça, c'est-à-dire que toute infraction qui existe, outrage au président de la République, imputation dommageable,
faux bruit et tout ce que vous voulez, ok, existe. Et que j'insiste que les prochains candidats présidents de la République, ou le, il n'a pas encore déposé sa candidature, bon, le prochain candidat président de la République, c'est-à-dire Déli Sessanga, a été incapable de pondre une proposition du retrait yaba ou dépénalisation yaba infraction wana. Ce sont des infractions qui sont d'application. Et par conséquent, le magistrat n'a pas besoin de recevoir l'injonction de qui que ce soit pour mettre en application. Pas du tout. Ouzolanda, il n'a pas tout ça, il n'a pas ce droit-là. Ce qui est encore super étonnant, c'est qu'il vient d'un avocat. Moi, quand j'apprenais avec le professeur Nyabirungu Mwenesona, le professeur Nyabirungu Mwenesona, à l'université de Kinshasa, lorsqu'il m'a appris le droit, il a dit l'interprétation du droit pénal. En ce qui concerne l'interprétation du droit pénal, on ne peut en aucun cas, j'ai dit bien, en aucun cas, interpréter par analogie. J'ai dit bien, on ne peut en aucun cas, le professeur Nyabirungu, je ne parle pas de maître Nyabirungu, hein, je parle du professeur Nyabirungu Mwenesona, c'est la même personne. La fiction du droit voudrait à ce que tout séparé Wangonewana, tout considéré comme étant pour ce Tolobito Landa. Maître Nyabirungu, il y a encore à redire. Mais si Tolinto Landa, le professeur Nyabirungu, c'est un scientifique, un savant. Mais l'avocat, c'est tout un problème. Il dit qu'il ne faut pas faire l'analogie. Analogie Zanini. Aussi pour ce cas ici, l'interpréter à la lumière de l'autre cas. Maman, osa mamat. Ceux qui ont maman a biso ya caméraman, tochebinomi balenengwana. Vous n'êtes pas la même personne. Mais vous êtes la même espèce. C'est-à-dire que. Ou même catégorie de personnes, ok, ou même sexe, et ça, le col à balobi, les faits. On ne peut pas interpréter une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État à la lumière d'une imputation dommageable. Mais attends, ça, c'est un principe. Madame, attention, ça, journaliste, tika, 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 okobebisa, maman. Koba. Okobebisa. Koba, moi. Okobebisa, makasi, maman. Nous parlons droit. Même maintenant, ce que vous avez fait, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps. Mais vous avez fait un peu de temps. Infraction. Entre infraction, reprocher Fortuna Bissé, vous avez reproché Jean-Marc Kabou. Maman, et là, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps. Vous analogie que j'interprète une infraction à la lumière d'une autre infraction. La loi pénale, le code pénal spécial les a définis de manière spécifique. Et l'incoloba, même les éléments constitutifs, il y avait infraction, wana, ezali, yango, mokote. Mais à la lumière de quoi on parle là? Et aussi, il faut savoir une chose. Lorsqu'on accorde une liberté provisoire, nazo yana makambuya, yana ni ya. Encore 2 minutes. Résidence. Kasiko. Oui. Ah! Auto, ça a déjà 7 minutes. Naboy, na olobate. Naboy, lelo na olobate. Na lobi, boende konanga yi Ramazani. La loi sur la cour de cassation, ok? Azali kaka compétent pour définir l'organisation et le fonctionnement y a cour de cassation. Puisqu'il a évoqué ici la loi sur la cour de cassation pour dire qu'ils ont déterminé les conditions à détention préventive. Les conditions de la détention préventive, Azali définit par la procédure pénale les conditions de la détention. Et aussi qu'on se le dise entre nous. J'ai l'impression quand on dit résidence surveillée, il y a une confusion. Même si on est professionnel de droit, nous sommes dans cette confusion-là. Quand on dit résidence surveillée, Ezali pas nécessairement domicile Yamoutou. Non, pas du tout. Parce qu'en droit, on fait un distinguo entre résidence surveillée na domicile. Parce que ce que nous avons à Katamoutouka, par exemple, Moutoua à côté de Katamoutouka, on va bien avoir une violation de domicile. Est-ce que ça domicile dans l'entendement? Il y a domicile Oyo, Ndekonangazo, tu as la définition, il y a Internet. J'aime bien quand il vérifie, quand il est avec moi comme ça. J'adore bien ce qu'il fait là. C'est différent. Pourquoi? Parce que la résidence surveillée ici peut être n'importe quel endroit que désire. Ok? Attends la prison, Makal. Pourquoi pas? Ah bon? Je vais y aller avec les détails. Je vais vous prendre des cas pratiques. Dans ces pays, et là, nous parlons. Moi, j'ai été avocat à Jean-Bertrand Issé Ewanga. J'ai accompagné affaire Moukonkole contre la République.
Moukonkole et Jean-Bertrand Issé Ewanga ont été placés en résidence surveillée. Où ils ont commencé par l'hôtel Invest, où ils avaient un RTNC. Ils avaient Invest, hein? Ouais. Et hôtel Ouana, ils ont commencé d'abord là-bas, aux frais de l'État, mis à charge là-bas. OK? Et deuxièmement, on les a acheminés dans ces percas. Ce sont des jurisprudences qui existent. Ces feux sont arrivés pas sous Tshisekedi. C'est à vérifier et c'est de notoriété publique. Et surtout, c'est plus facile, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer, je vais y aller. Mais pourquoi pas? Je vous dis, on peut s'organiser. La loi permet à ce que l'on puisse organiser. OK? Bah, qu'on organise de manière à ce que bah, réunir tous les éléments qu'il faut pour qu'il soit placé dans ces percas. Au moins, condition à détention naïe doit être différente. La résidence surveillée, et Zali Pepon a quoi assurer l'ordre public. Je vais vous prendre un cas d'espèce. Vous avez vu lorsque Jean-Marc Abound a été placé, lorsque Babib a interpellé Kaganani à niveau il y a parquet général. Ah ouais. Nassé à CNSS. Ok? Naïmé Bloua CNSS. Est-ce que vous avez vu le désordre qui avait été créé là-bas? Vous vous rappellerez encore, lorsque Jean-Marc Abound était président AI de l'UDPS, on a prétendu ici qu'à côté, l'UDPS était en train d'entraîner Batou armé. Ok? Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'en le plaçant chez lui à la maison, dans son domicile, où il a un bunker, pour ne pas faire ce que Mata Tampogno a fait. Mata Tampogno, rappelez-vous, a construit un bunker panaï. Lorsque la justice est allée pour mettre la main dessus à Saliboni, à Kangami Nakati Naobimati, Nakasoro, pour chuter. L'opinion retiendrait ce qui suit. Que pour éviter que Batouba se soustraire à la justice dans l'Olenge Basepeli, dans l'Olenge Basepeli, dans l'Olenge pour éviter à ce que Batouba sala et loko mata tamponyo azo sala sikoyo. C'est-à-dire que akimi na manyema. Pour lobi que non soki na yé kotoyo. Population ko ya parce que j'ai des gens qui vont faire, qui vont créer une situation de déstabilisation, ainsi de suite, tout ça. Ok? C'est ainsi que Jean-Marc Abound a été placé en résidence surveillée dans les conditions que le veulent la loi. C'est-à-dire qu'on a réuni les éléments, on a pris résidence à Liban là, les conditions et on les a transposé. Très bien. Donc, le procès est juridique. Il est judiciaire. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès judiciaire parce que les infractions existent réellement. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, les infractions ou les faits dont il est poursuivi ne sont pas l'œuvre de Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Merci beaucoup, Malamboka. Mais il y a une question à vous répondre, Ngate. Maître Ramazani, à l'Obela Kiango, Likamboya 2, Kota la Bafé contre Ferdinand Bisséré-P, n'a pas fait retenir contre. N'a répondu 30 secondes. Non, en tout cas, je réfléchis. Moi, je n'ai pas fait le droit. Bande Boison, on a vu ce bon bakoki ko commenté. Na muto bakangi na lichette nanda ko bataille ko iba. Na muto azo iba soso. Nanya ibi nani penza ozoa. Mbando makasi na nyonso mi bale wana. Ezaka ba question. Maman, tika ko. Yango loko lobe osali droite ezali malamu. Nanya sali. Et loko na répondre. Zela lan pardon. Et oyebi ponani pardon, 30 secondes kaka. 30 secondes. Oui, pourquoi on parle de la présomption d'innocence? Oui, pourquoi on parle de la présomption d'innocence? Ce n'est pas ce bafundi mutu nécessairement azali mokangami na yango. C'est-à-dire que yango tolobaki abo tout ça. Il faut que mutu ya fundi alexa ba preuve yango. Et aussi lorsqu'on va accorder la liberté provisoire, c'est au juge d'apprécier. Et ça n'est pas raisonné. Très bien. Juge, c'est quelqu'un d'outillé et c'est quelqu'un qui sait dire le droit. OK? Lorsqu'il apprécie, le biba relaxé, il faut ce qu'on biso to zongela. Et lorsqu'on a encore condamné yango boy. Et lorsqu'on a encore condamné. Na yoka kisango na yango. Le DRH, oh, il y a la police nationale, c'est lui qui a été détenu, ok, pour des conditions où il va payer ça qui. Aujourd'hui, j'entends dire que Azan a la liberté. Le général, le nom m'a omis ainsi de suite tout ça. Ezali Pena général Dodo Kanyama,
dans les prochaines émissions, je veux revenir sur les faits qui lui sont reprochés. Là où il est, il ne doit pas l'être. Et nous allons faire porter ces informations à qui de droit pour qu'il puisse éventuellement être sanctionné. Toi avancé, audit affiché électoral, ECC, na 5 ba se proposé ba sala audit citoyen. Nous allons en parler bandeko la muka ba ba CP nango ba sali ko encourager que ça les mabongo bandeko vol bazo kanisani maître Rodrigue Amazan. Je sais que vous aurez le temps de rebondir, mais vous avez aussi 6 minutes pour répondre à cette question. Envoie les autres kanisani. Je veux pas beaucoup rebondir, ça sert à rien. Je crois que j'ai peut-être un devoir à donner à maître Mpinda, il dit quelque chose de grave. Il dit à l'oubli Kambo, il y a des tensions, ils en ont la loi sur la cour de cassation T. À l'obiango, bon, on a essayé de voir, on a essayé car que loi à cour et à cassation, ils ont organisé poursuite, il y a un membre et un parlement. Ils ont de l'article 73, qui nous article 76. Donc, ils ont des voix, autant là, au comment la vérité, autant à la place notée, on a gagné tant en gagne. On a essayé de voir à vos hommes, à l'oubat, tant que là, congolais, ma cambolobis, ce que ça peut solo, tout le couta. Ben, membre et un parlement, bah, la procédure et la poursuite moko spécifique et ça organisé nakati il y a la loi sur la cour de cassation. Donc au maître Pinda outi koloba wa et ali incendie pour banoba ko tanga droit sika bagangi na ndak balobi bi ekoti yami bale nati bon ça devoir maître Pinda ngala ko ya na ko te na ko te tenter alobi na ko tana makam mususu alinga distrait ngai na ebi. Délice Sanga Azala qui est incapable y a qu'on dépénaliser outrage au chef de l'État. Bah, bah, Congolais peut baïbi que Délice Sanga zo terre y a baloua et belé. Mais maître Pindali que Délice Sanga zo terre y a baloua nions. Nga la kanisa ki nga konana ta ba député IDPS. Nga ba député IDPS. Depuis ba vient abiso ya koma na parti na progressiste nani ancien candidat président de la République, ancien premier ministre. Vient Sami Badibanga. Bazara moi belé lingomba la bango basara ba ba député depuis 2011 na législature pe bana ba député bon ba mettre ma soeur ba député na bango te poani kaka c'est sang kaka c'est sang kaka c'est sang bon ça pena ba député bon na comprend depuis que ba député na mino ba ande ba député ya lokumu te moi ça na ba siko ni na parler ma kaka kolia kozo ba palissade pe kolia 21 000 na okipe mata kaka c'est sang na nyos c'est sang na sala ka paro ya ye azo auteur ya ba loi ebelé. Il est même le député le plus prolifique, il y a trois législatures. Donc, à ça, la balle, il y a un seul mot qui peut faire charge de mon tomoko. Il y a un Congolais, en vol, pas présenter ma candidature. Bon, ça, quand il y a un vol, il y a un parlement pour tout ça, mon salaud, il y a un peu de salaté. Pour charge de mon tomoko, il y a un peu de salaté. Il y a un peu de salaté. Il y a mis ça tout. Alors, t'es maman, qu'on réfléchit par analogie. Tant qu'on a recadré, comme le Bakoland, ils ont compliqué. Exemple, au Pessi, maman, il y a les pétos. Il y a les compliqués. Il y a les pétos. Il y a les bonne, bonne liberté provisoire. C'est ça la question. Et Pessa Makakaka, pour n'a pas proche, il y a Félix Tshisekedi. Mais Bango va aller poursuivre pour déstabiliser l'État. Il y a les pétos. Ma proche va aller poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État. On a proche à Félix Tshisekedi. Bamba va déstabiliser le Congo. Bamba a tenté sûreté à l'état de sécurité à 100 millions de personnes. Bamba a dit qu'il y a un tiers de liberté provisoire. On m'en appelle dossier à 100 jours de soukate. Et Bandara, terminé Bandara, liberté conditionnelle, liberté provisoire, acquittement. Na soukanango, il y a une défense, présomption d'innocence. Donc, il y a un opposant, il y a une présomption d'innocence. Je ne sais pas si tu as pété. Je ne sais pas si tu as droit. Je ne sais pas si tu as Congolais pété. Je comprends que tu as pété. Pété, papa. Je suis pété. Je suis pété. Je suis pété. Je suis Congo. Tout le monde a mon continent pouvoir. Je pété. Je suis pété. Question insécurité. Donc, il y a quand même une question sensible. Surtout, le chef d'accusation, il y a ancien conseiller François B. C'était quand même grave. Quand on a un bon moment, mais liberté provisoire. Laisse-moi le long. Arrête-tweeter, tweet, moko boy. Et que le bon moment, il y a la première dame Nabiso qui va consommer mon solo à l'État dans le cadre de la fondation. Balobi diffamation, 100 jours. Abani na ANR, 60 jours.
100 jours le lot, le lot dossier n'est pas fixé en moté. Il y a des procédures, il y a après 15 jours, il y a des tensions. Il faut monter comme moi, il y a la chambre du conseil pour régulariser des tensions. Pour que nous laisse au melon un militant en vol, et que ça les maté. Mais et que ça les maté, pour la fortune, puis c'est les. À tête à la sûreté de l'État. Les Congolais ne comprennent pas. Il n'y a pas d'analogie, d'interprétation, il y a pété, maté, il y a open des airs, il y a pété. Montoisali retweet, a retweeté. Il a commis. Il a retweeté. Bokangi moto a commis, bokangi moto a retweeté. Bovandi si 100 jours, bolobi ke ye et sengeli ye a kangama ya na présomption d'innocence. Mais moto o ya attenté na sécurité ba Congolais. Ya on a comprendre le lombo que ça géré na légèreté, sécurité ba Congolais a plus au sérieux. Parce que ce qui est sécurité na biso ezaki prise au sérieux. Ba question le kola ba François Biya. Ba question le kola ba Fortuna Biselele et tant d'autres na moto a sala ministre ba Kingabo ye pas li moi. Oui, mon ministre, c'est qu'il n'y a pas la présidence. Il n'y a pas, lis-moi. Si quoi, sécurité n'a pas été négligée, mais le colo a été touché par moi personnellement. Ou à la présomption d'innocence, c'est ça. Il n'y a pas de congolais, il n'y a pas de zandé, il n'y a pas de pété pour nous. Il n'y a pas de en une minute, rapidement. Il n'y a pas de congolais, il n'y a pas de congolais, il n'y a pas de congolais. Il n'y a pas de congolais, pour les congolais, si vous comprenez. Il n'y a pas de congolais. Il c'est quoi que c'est qui nous quitte? Moto a tangi papier, on a 5 quoi le plus beau. C'est ni. Ape sa ebe, information affichée. Ye moko, atinda batouna terrain, ba sala audit, ba comparer fichier, na réalité sur terrain. Exemple. Ba pe se fichier, nan la zana bandal, na zana funa. Ba pe se fichier a funa. A se fichier a funa, a pe se batouna ye, ba kiti sur terrain. Batala, maman Naomi, yo batio awa na funa, est-ce que vous avez penza na funa ya solo, tout moni na adresse, tout yoko vérifie. A traité, Seigneur, so continue ma kambounaye. Senko so kwa silici, pour a rétablir confiance avec les parties prenantes. O bazako douté na processus, a ebisa bon te fiché, a kadi meza fiché a malam, boti kape mouté mamabe, fiché neza malam. So ki pe za mabe, a ke ko ebisa kadi ma, makambo yo ko ma ki awa, to moni yo ko meni biso 1000 personnes na founa, mais te retrouver kaka 200 personnes de baza réellement na founa. Donc bo senga weza mabete. Bo senga za mabete, ba ebisa kete ke stoppe processus, ba ebisa pe sa biso information, tout ça la audit citoyen. Mais est-ce que SSC na 5 ko baza na kati ya barol na bango ko lande la fiché électoral ya... Mais Bazali ba partie prenante na processus biso toali partie prenante tozali opposition tozali partie prenante na processus électoral to seigne même demande société civile passing boni boni kadima oh nyo so ba congolais singili ba comprendre ça que kadima ko préparer maman na fraude électorale kabundu ko ta révéler qui ango déjà que IDPS a na 300 députés préétablis. Fraude électorale, il y a ma casse, il y a mon moni, le loc, nani, seigneur, qu'on s'est comporté, le rôle, mobile, yo, à la type pantalon, matière capoutou, la nacette. Sauf que, sali, ka erreur, oui, c'est, fous-moi les tirettes, enfilé, à robot. N'dégne, mon ronacine. Seigneur, soit comme, mekika, kokosola, fichier électoral, à n'ingani. Ah, il y a mon alobi, t'es azali comparable, na mobali wa filé pantalon bonde biso to lati na se atia kaputu late koto na ete ka enfilé poso ko meki ko bi se ka enfilé pantalon aningani de comportement insénile. Très bien, merci beaucoup. Yango na lobi ba congolais pona ku kata ba congolais de ko ti sekeda ko préparer fraude électorale yango biso to lobi le rôle ba boy ko recomposer seni ba boy ko régulariser cour constitutionnel to ko kipe makamo na bango te peuple nde a ko certifier fichier électoral. Peuple n'a pas la CENI. Résultat, au biso toko prendre en compte, et zali kaka résultat au eko outa na église catholique, pe église protestante. Pe peuple rosala na opportunité à travers l'article 64 de la constitution, yako imposer vérité des urnes. Très bien, merci beaucoup. Maître Richard Pinda, Malobombo Kayo, ozali na 5 minutes, et si ce pas dans 4 minutes, aux autres 6 minutes. 6 minutes. Merci beaucoup. Audit y affiché électoral, Seigneur Bolo. Non, banana na devoir au bapesinga ya. Bapesinga devoir te maman. Ah bapesinga devoir balobina na. Balobina kana na kokoso. Bande ko na ngai omoni makambo etali makambo mibeko surtout makambo ya droit. Balobi nuances zakailo ko moko makasi. OK? Na makambo etali cour de cassation tozana na mobeko babengi loi portant organisation, loi organique portant organisation et fonctionnement ya cour de cassation.
Ok. Et il y a le bac, la loi sur la Cour de cassation. C'est-à-dire que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour de cassation. Mobeko wana na kati et lobi boye. Zuzi bako fanda boni, bako yamba mutu liboso ya zuzi loko la boni. Mais ezali na mobeko babengi susu loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Au moment où on a vu on va procéder à quoi? N'aiba qui est le colon coloba? Dans le bimak on va procéder pénal ou on a déterminé les conditions de la détention. Il y a mon aspect là quand on a un décor Ramazani. C'est-à-dire qu'il y a quoi prendre sur le champ et il va vérifier ce que je dis. Mais il refuse de ce que azo qu'on refuse comme ça batouke non décor loba qui a seul temps à lobby awa loi relative à la procédure pénale et devant la Cour de cassation. Je l'ai dit ici. Et puis lobby ni na autant que on décor. Nous avons tenu là, nous allons très attentifs. Dans l'article 673 à 76, j'ai dit bien la loi relative à la procédure pénale hein? Devant la Cour de cassation qui définit les conditions de la détention. Article 73. Article 73. Nous avons tenu l'article Mokoa. Et l'obiboué, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou de votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Alors, c'est autant en côté. Mais aux appels disposition, les immunités relatives et tout ce que vous voulez, relatives ou absolues. Tant que Batangi Obo et tout ça, ce sont des immunités absolues. C'est-à-dire pour les opinions politiques, on ne peut pas vous poursuivre. Mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat, c'est tout simplement pour démontrer que Mobeko est apaisé. Ok, ils ont correspondre en matière et à détention T. C'est-à-dire que la détention n'est possible que pour les députés en vertu de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Je l'ai dit ici, c'est la loi relative à la détention qui définit les conditions de la détention. Namoni bakomi ne kankuna fin. Mais minute nanga si ga te mama te. Na 6 minutes nanga 2 minutes nanga tikali. Nanga na bakselo ko moko boye. Kongomani aiba iloko moko. L'article 64, c'est un couteau à double tranchant. Et l'ingi koloba, que la population est en droit à l'inéa premier, Yakobi Manandela, ok, pour la manifester contre tout pouvoir ou les alliés légitimité. Yami bané pe lobi boui. Congolais, azapé na droit, Yakobi ma, Yako protéger tout pouvoir ou les alliés légitimes. C'est-à-dire que soit Bimi Nandela, tout Bimpe Nandela. Que le meilleur l'emporte. Ne venez pas nous intimider sur les dispositions constitutionnelles, l'obus doit supposer avoir maîtrisé aussi. Aux Hollanda, nous sommes censés. Oh, je ne vous comprends pas. Non. Je reviens encore en arrière. Non, on n'est pas dans la manipulation. S'il vous plaît. Non, mais ça, le problème, hein? Dans le biais Zali, au PC, il y a des affaires, des mathématiques, des droits. Tolérance, mon avocat. Aussi, ici. Tennessee, il n'y a pas de journaliste à temps. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Je vous ai dit une chose qui a évoqué l'article 73 à 76. A même libino, article 76 in fine. Et l'ingo le bas côté à Souka. Ok? Ngaï na lobi na zongé liboye. Mobeko oye a pesi. Pour mibeko ezali mi balé. Mobeko aliboso ezali a lobi. La loi sur la Cour de cassation. Nga na lobi te. La loi organique sur la Cour de cassation te. Niveau ya manipulation. A zongé li mobeko oye ezali na la loi organique portant la procédure pénale devant la Cour de cassation. Non, Laissez-moi évoluer. J'ai encore la parole. Article 76. Na osenga caméra benda. Toujours. Intitulé à loi les amis. Loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Alors, c'est que moi je. Mais c'est ça. On parle la procédure pénale. Non, mais on parle de la procédure pénale. Mais on parle de la matière pénale là. Oh,
Mais maman on parle de la maman matière Pinda, maman Pila, on parle de la procédure pénale devant la cour de cassation. Et il prend une disposition qui est vraie. Il prend une disposition qui est vraie. Mais et pourtant, il a énoncé une loi qui ne correspond pas à la matière. Oh, c'est là tout le problème. Parce qu'il a prétendu me donner un devoir en prétextant que... Maître Dreza passe la compo et la mathématique s'il vous plaît. Non, agité te s'il vous plaît. Osa agité te. S'il vous plaît. Ce journaliste attend s'il vous plaît. Oh là là. Il a évoqué une loi. Il a dit que détention préventive est prévue dans la loi sur la cour de cassation. Dans la ici habité. La loi organique sur la cour de cassation, Ezali Mobeko Oezo déterminer les conditions et fonctionnement de la cour de cassation. Ezali sur la loi portant, la loi organique relative à la procédure pénale devant la cour de cassation. Ok? Mobeko Yamon Abimicite. C'est-à-dire qui est dans l'erreur, qui a induit la population en erreur? Ezali Ngaïté. Maintenant, il n'y a pas qu'une disposition pour donner l'impression que Nganazali Kosede dire Alobi Tanga Yango in fine. Je vous ai évoqué, j'ai lu une de ces articles. L'article 73, ce qui voudrait démontrer à suffisance que, chère opinion, vous retiendrez ce qui suit. Les choses sont tellement compliquées. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. L'opinion retiendra ce qui suit. Que la politique en République démocratique du Congo, et particulièrement il y a Bande Konabiso et l'opposition, est une politique qui est basée sur la manipulation. Oh. Et par voie de conséquence, lorsque Bako publie l'élection, Zagine na chaîne, kaka la boue pas na bino. Alobi ono, 5 ans, na seni, bah on considérer que le résultat où vous avez publié na 5 ans, na seni. Et biso si kote lobi boye. Pour l'objet en vertu de l'article 64, nde bango bako bimaka nanzela, pour la bola ki sa population que bango nde balongi. Yango biso fait dolobi boy en vertu de l'article 64. Toko sa la bo toko bimaka nanzela. Et loko moko ya motuya abimisi ya lobi que l'UDP sa préparé déjà fraude électorale. C'est-à-dire que l'UDP sa na 400 députés na ye déjà bombi pembeni. Ba ne konanga to za pena ki bomoto. Nous sommes toujours dans la logique au bango banango ya manipulation. Nga il est lobo et laza candidat. Ceux qui n'a se présenté, vous pensez que les gens vont me voter parce que lui de l'a dit. Vous pensez que bato bazana katuana, bato ba sepe na makambo na salaka, to na lobaka, to na kanisaka. Basalité. Yango na sengi une opinion boye bakayelo komoko. Ils le savent, ils en sont conscients et ils sont partis pour perdre. Et par voie de conséquence, je vous appelle à voter massivement au moment opportun. Au moment opportun, si je n'en parle pas maintenant, je n'ai pas dit qui voter, parce qu'en ce qui nous concerne, madame, nous devons nous le dire. Nous avons tous les éléments aujourd'hui pour démontrer à suffisance que le président Tshisekedi est le meilleur des élus, de président Nakati Mboko. Et par voie de conséquent, nous nous sommes suffisamment préparés. Pendant la campagne, nous allons vous démontrer pourquoi vous devez donner un autre mandat. Merci beaucoup, maître. La loi relative à la procédure pénale que j'ai évoquée. C'est-à-dire qu'à une disposition, on a évoqué la carte de Mobeko Nga la lobby. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Binda. C'est la fin de l'émission. La loi dit toutefois la cour de cassation est la. Et celle compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine le modalité dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Match Pessil, ça me sur mon téléphone, mets ça mon candidat, ok. Merci à nous, Bolandi, ils sont partout, on se retrouve demain. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité.
Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.